Donc, j'en suis tenu bon d'énumérer 12. Il y a 12 erreurs à éviter lorsqu'on se lance en business. Première erreur, se lancer en comptant sur sa passion. Personne ne va vous verser de l'argent parce que vous êtes passionné par la musique. Personne. Les gens vont vous donner de l'argent parce que lorsque vous chantez, ils se sentent bien. Donc, un business est basé sur le besoin que les autres personnes ont. Parce que l'argent que vous recherchez se trouve dans la poche des autres. Deuxième erreur, vouloir légaliser trop vite. Non. Lorsque vous vous lancez, même dans la loi, il y a un certain temps qu'on vous permet de passer sans pour autant légaliser votre entreprise. Lorsque vous êtes encore petit, personne ne s'intéresse à vous. Vous pouvez tout tester. Donc, ça ne sert à rien de vouloir légaliser. Parce que quand vous légalisez, il y a les impôts, il y a les trucs, il y a les machins, ça ne sert à rien. Lancez-vous. Et après, quand vous devenez gros, c'est là que les entités économiques commencent à s'intéresser à votre sort. Et là, vous pouvez commencer à légaliser. Troisième erreur, vouloir tout faire seul. Moi, j'appelle ça sont les chiches, ceux qui veulent tout faire seul. C'est toi qui veux gérer ta page. C'est toi qui veux gérer ton site internet. C'est toi qui veux produire les vidéos. C'est toi qui veux faire les visuels. C'est toi qui veux faire les montages. Non. Non. Au début, oui, tu peux le faire seul. Parce que c'est encore petit, tu peux le faire seul. Fais-le seul pour maîtriser tout le processus. Mais après, il faut apprendre à déléguer. Et voici ce qui va se passer lorsque vous allez commencer à déléguer. D'abord, vous allez avoir un pic de progression qui est comme ça. Quand vous allez commencer à déléguer, le temps, parce qu'il faut former aussi son personnel, votre productivité va diminuer un peu. Mais une fois que le personnel va prendre la main, vous allez avoir un pic. C'est le processus. Donc, apprenez à déléguer. Et pour nous qui sommes en Afrique, on sait qu'on a un problème au niveau de la main-d'œuvre. On n'a pas une main-d'œuvre qualifiée. Donc sachez que lorsque vous allez commencer à déléguer, vous allez devoir former les personnes à qui vous allez déléguer du travail. Il va falloir qu'au début, vous soyez présent. Ça demande beaucoup d'énergie, mais il faut que vous soyez présent pour surveiller jusqu'à ce que la personne fasse ce que vous cherchez, ce que vous recherchez. Et vous pouvez, justement, ce n'est pas la peine de commencer à avoir des employés, non. Vous prenez des gens en freelance, vous payez à la tâche. C'est un peu banal, mais c'est pourtant beaucoup de gens commettent encore cette erreur parce qu'ils commencent à gagner un peu d'argent direct, ils commencent à se prendre des salariés. Non, pourquoi? Prenez en freelance et allez jusqu'à ce que vous soyez obligé d'avoir un employé en temps plein. C'est là que vous prenez un employé. Moi, au début, vous pouvez commencer dans l'informel, il n'y a pas de problème. Quatrième point, puisque nous sommes à l'aide numérique, créer un site internet. Créer un site internet en soi, c'est très facile. N'importe quel ingénieur vous crée un site internet. Le site internet Agent Libre a été créé par Nelly. Elle s'est assise dessus pendant 2 semaines. Elle a vraiment taffé dessus et elle améliore au fur et à mesure. Ce n'était pas comme vous le voyez maintenant. Mais c'est pour vous dire que créer un site internet en soi, c'est très facile. Mais c'est générer du trafic sur le site internet qui est le plus compliqué. Donc, vous voulez créer un site internet, OK. Mais comment est-ce que vous allez générer du trafic dessus? Voilà pourquoi moi, je dis toujours que au lieu de tout de suite penser à créer un site internet, pensez d'avoir vous lancer sur Facebook ou sur YouTube parce qu'ils ont déjà, un trafic naturel. Et là, après, avec le temps, vous pourrez rediriger les gens vers votre site internet. Vous savez, personne ne peut acheter un produit s'il ne fait pas confiance à la personne qui est derrière, au site internet. Personne. Si on ne fait pas confiance, personne ne va acheter chez vous. Même vous-même. Si aujourd'hui vous suivez cette masterclass, c'est parce que vous me faites d'abord confiance. Parce que vous m'avez vu parler tous les jours sur Internet. Tous les jours. Du coup, à un moment donné, vous dites, ah non, on le voit, donc on peut lui accorder une reconfiance. C'est aussi parce que plusieurs fois, vous avez vu des témoignages de certains clients qui ont été satisfaits. Et vous avez dit, non, on peut lui faire confiance. C'est parce que vous me faites confiance que vous vous dites, tiens, ce qu'il dit au quotidien sur les réseaux sociaux est pertinent. Ça veut dire que même dans sa masterclass aussi, ce qu'il va nous transmettre comme information sera aussi pertinent. C'est ça qui a construit ma crédibilité. C'est ça qui a construit la crédibilité de la structure Argent Livre. Parce que même quand on discute sur WhatsApp, ça permet aussi de construire une certaine confiance. Parce que je vous dis, voici le numéro, faites le dépôt à ce numéro et ensuite, vous me revenez. Quand vous me revenez, je vous dis, OK, vous avez fait, voilà. Et ça ne se donne pas en un jour, c'est sur le temps. C'est pour ça que je conseille de commencer par les réseaux sociaux. Ça permet de limiter les dépenses. Ensuite, choisir ses collaborateurs sur la base de la compétence. Erreur. C'est une erreur monumentale de choisir uniquement sur la base de la compétence. Je sais que quand il dit comme ça, ça choque. Mais je vous rassure, l'élément le plus déterminant lorsque vous allez vouloir choisir vos collaborateurs, ça sera d'abord l'éthique de travail.
Est-ce que c'est quelqu'un qui veut avancer? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut apprendre? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la niaque? Qui a la discipline? Parce que si cette personne a la discipline, la compétence, elle va l'acquérir. Si elle veut apprendre, elle va acquérir la compétence. La compétence, c'est quoi? C'est la répétition. Donc, dès que tu as la motivation de répéter quelque chose, au bout d'un moment, tu vas devenir bon. Il n'y a pas de magie. Je dis ça parce que je pense notamment à celui qui monte mes vidéos en ce moment. C'est un gars, quand il m'a écrit, il m'a dit qu'il voulait travailler avec moi. J'ai vu ce qu'il avait fait, j'ai senti que non, c'était pas ça. Mais il m'a tenu un discours qui m'a convaincu que non, comment? Quelqu'un qui a cette éthique-là, qui a cette envie-là, je crois que je peux faire un truc avec lui. Donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai envoyé, je lui ai dit bon, au fur et à mesure, je vais te former, je vais te dire ce qui ne va pas et tu vas t'améliorer. Et plus on travaille ensemble, plus il s'améliore. Parce qu'il a l'éthique de travail. La discipline, c'est très important, surtout chez nous en Afrique. La compétence, c'est bien, mais d'abord, là, l'éthique de travail, c'est le plus important. Ensuite, ne pas avoir de réseau, ça, c'est la mort. Si tu n'as pas de réseau, tu ne peux pas t'en sortir en business. Peut-être qu'au début, tu ne pourras pas intégrer un réseau, mais tu peux créer ton propre réseau. Donc, pensez réseau, toujours. Toujours pensez réseau. S'il y a des opportunités que vous ne pouvez pas saisir, vous n'êtes pas dans le réseau. Pas besoin de vous fermer certaines portes parce que vous n'êtes pas dans le réseau. Donc, pensez toujours au réseau. Faites réseautage. 8. Confondre le portefeuille. Je pense qu'on en a déjà parlé. L'argent du business, c'est l'argent du business. Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du business. C'est important de faire cette distinction-là parce que quand vous avez gagné de l'argent, la famille va commencer à venir. Et si vous avez une mauvaise discipline financière, comme Nelly vous en a parlé tout à l'heure, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez dépenser l'argent du business dans vos problèmes personnels, pensant que bon, comme vous êtes le boss, ben voilà, vous avez le droit. Non, vous n'avez pas le droit. Le business est une entité morale, vous êtes une entité physique. 9e erreur que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils se lancent en business, c'est de penser que le rôle de quelqu'un qui est en business, c'est de produire. Non. Lorsque vous lancez un business, votre rôle, c'est de vendre d'abord. Vous pouvez même vendre sans avoir de produit. Malheureusement, il y a des secrets que je ne peux pas vous donner, mais il y a des produits que moi je vends alors que je ne les ai pas. Le rôle, lorsqu'on se lance en business, ton premier rôle, c'est de vendre. Tu vends d'abord. Amazon produit quoi? Rien. Mais ils vendent. Vous voyez? Tu peux jouer le rôle d'intermédiaire. Tu sais où il y a le produit. Tu sais où il y a l'acheteur. Et toi, tu es là, tu es l'intermédiaire. Ceux qui ont suivi la vidéo de investir au pays avec le monsieur dont j'ai oublié le nom, il expliquait qu'il avait, à un moment donné, il avait peut-être 10 cartes de visite. Tu fais mécanique, oui. Tu fais infographie, oui. Tu fais dans l'imprimerie, oui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il voit le client, il connaît celui qui sait le faire. Il donne la carte de visite. Quand le client lui remet l'argent, il peut voir celui qui sait faire. Ensuite, il satisfait les deux. C'est là qu'elle dit, ce n'est pas avec l'argent qu'on fait l'argent, c'est avec le cerveau. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent pour vous lancer un business, mais vendez vos services. Jouez le rôle d'intermédiaire. Le dropshipping, c'est quoi? Le dropshipping, c'est que tu es un intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, c'est tout. 10. Vouloir vendre à tout le monde. Voilà. C'est toujours la même chose. Hein? On se lance en business. Aucun produit n'est conçu pour être vendu à tout le monde. Vous définissez votre segment de marché. Vous définissez votre cible. Et vous foncez. Et après, lorsque vous devenez plus gros, vous pouvez engager d'autres personnes qui peuvent vous aider à avoir une cible beaucoup plus large. 11. Vouloir aider les pauvres. Vraiment, écoutez bien ceci. Lorsqu'on se lance en business, ça c'est le problème que nous on a en Afrique. Lorsqu'on se lance en business, on se dit que les Africains n'ont pas l'argent. Non. Quand on se lance en business, on se lance pour traiter avec ceux qui ont l'argent, qui ont suffisamment de moyens pour acheter notre produit. On se lance pas pour traiter avec les pauvres. En plus, les pauvres, les gens qui n'ont pas d'argent, ils sont fatigants. Ils sont épuisants. Vous vous lancez en business, vous voulez traiter avec ceux qui ont l'argent pour payer vos produits. Et sortez-vous de la tête qu'en Afrique, on n'a pas d'argent. C'est faux. J'ai discuté avec un Ivoirien hier, celui qui m'a permis d'entrer en position de livre de Yann Amon. Mais il m'expliquait que lui, quand il fait ses ventes privées de vin, ben il descend avec des caisses de champagne qui vend à 3 fois le prix ici. Les gens ont énormément d'argent en Afrique. Énormément. Donc, vous voulez vendre vos produits ou vous lancez un business, cherchez ceux qui ont l'argent pour payer. Si les gens disent que vos produits sont trop chers, c'est peut-être que vous vous adressez au mauvais segment de marché. Réadaptez votre offre. 12e point, on ne se lance pas en fonction
de notre formation. Parce que je sais que quand quelqu'un fait une formation en médecine, il veut forcément lancer un business dans la médecine. Non. On se lance en fonction de la rentabilité. Si tu es un médecin, mais que tu te rends compte que c'est le charbon qui peut te donner de l'argent, investis dans le charbon. C'est en fonction du retour sur investissement. Peut-être aujourd'hui, c'est la Startup Academy sur laquelle il explose. Mais à la base, il dit qu'il a créé SOS Médecin Cameroun. Il a essayé plein d'autres choses et il s'est rendu compte que c'est Startup Academy qui a plus de succès. Du coup, il optimise là-dessus. 13e point, ne pas avoir de base de données. Je crois qu'il faut que les Africains s'intéressent un peu plus à ça. Le diamant, ce sont les données. Quand je parle de données, c'est peut-être les numéros de téléphone, c'est les adresses mail, c'est l'âge des personnes qui vous suivent au quotidien, ce qu'ils recherchent, leur centre d'intérêt, c'est tout ça les données. Ceux qui ont suivi ma formation sur comment créer et gérer et gagner de l'argent grâce à la page Facebook, je parlais justement de cette notion-là. Vous devez avoir les données sur vos clients. Ça vous permet d'optimiser. Vous dites, OK, vous devez noter à chaque fois. OK, il vient y acheter, il a quel âge? OK, il a quel niveau de revenu? OK, c'est quel sexe? Et à partir de ça, maintenant, vous dites, donc, en général, ceux qui sont intéressés par mon produit ont tel âge, ils habitent tel quartier. Quand vous avez ces informations-là, vous dites, bon, plutôt que de rester dans ce quartier-ci, autant me déplacer dans ce quartier-là, puisque les gens qui sont capables d'acheter mes produits ont un profil qui habite dans ce quartier-là. Il faut avoir les données des gens qui viennent acheter chez vous. C'est important. Aujourd'hui, il y en a ce qu'on appelle le email marketing. Et plus tard, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent vraiment aller à un autre niveau dans leur business, on fera une formation là-dessus. C'est très puissant. Comment ils font pour faire du email marketing performant? C'est parce qu'ils ont les données d'une certaine catégorie de la population. Donc, ayez des informations sur vos clients. Leur nom, leur âge, leur sexe, leur lieu de résidence, leur centre d'intérêt. C'est important. Donc, s'il y a bien une chose qu'il faut retenir ici dans le business, c'est que l'argent que vous recherchez se trouve dans la poche des autres. C'est à vous maintenant de trouver le moyen pour que cet argent-là parte de leur poche et que ça vienne dans vos poches. Et c'est ça. L'intelligence financière qui va vous permettre de faire ça et aussi l'intelligence business. Savoir qu'il faut investir, épargner et protéger, c'est bien. Mais c'est le business qui va vous permettre d'aller à un autre niveau. Parce que vous devez comprendre certaines stratégies que vous devez mettre en place. Notamment la communication, le marketing. Tous les riches qui sont en business ont des bases dans ces domaines.